Voilà donc les dernières pages de ce livre de Maurice Genevoix, 30 000 jours, que je vous montre ici. C'est en ce temps que m'est arrivée une aventure extraordinaire, pour moi aussi très étonnante, très mystérieuse, toujours à mes yeux, mais il me suffit d'en accepter tel qu'il est venu vers moi, le symbole privilégié. Je l'ai plusieurs fois raconté, tant devait rester vif en moi le sentiment de son importance, mais je veux la redire ici, car si elle manquait à ces pages, je sentirais ce manque comme un dol et une mutilation. Ce jour-là, j'étais seul. Je pense que ma femme et nos filles, rappelées à la maison, m'avaient laissé poursuivre ma flânerie. Je suivais à la crête du talus qui domine la rive droite de la Loire une piste aux trois quarts effacée, envahie d'herbes folles et de touffes de genêt. Du côté du sol ferme, elle bordait une pinède dont les arbres de lisière, baignés de lumière et d'espace, avaient cru superbement. Il y eut soudain devant moi, sous le couvert des hautes herbes, un glissement furtif qui suspendit mon pas et attira mes yeux. Je m'attendais à voir le sillage d'un aspic. C'est la saison où ils sortent et bougent, où ils peuvent être dangereusement agressifs. Point de sillage, mais un preste éclair roux. Et devant moi, à toucher mes jambes, surpris comme moi, immobile comme moi, un écureuil qui me regardait. Un enfant d'écureuil en rupture de famille et de nid. Je devais être, si j'ose ainsi parler, son premier homme. De sa stupeur, de sa curiosité, laquelle l'emportait sur l'autre, les premiers pins étaient à 10 pas, trop loin pour un jeune fugueur présomptueux. Je dois ici, même s'il m'en coûte, et du ton sourire de l'aveu, ouvrir une parenthèse nécessaire. Au dire de mes proches, qui partagent ma vie, j'aurais un don, un charme, un fluide que sentent les bêtes et les petits-enfants. Ils le prétendent, ils en sont sûrs. Au premier temps de notre intimité, peut-être un reste de scepticisme se mêlait-il encore à la confiance qu'il me faisait. Mais la tribu de hérissons que je conviais les soirs d'été sous les tilleuls en fleurs de la terrasse, la faisane capturée à la main que je rapportais à la maison bien vivante, calmée, le cou en volute et tournant les yeux vers moi, avaient chassé leur dernier doute. Les hérissons, ponctuellement trottinés sur le gravier, j'ouvrais les doigts devant ma femme. « Qu'en vas-tu faire ?» Et la faisane s'envolait. Il n'y avait fallu, selon moi, qu'une longue patience, hors du temps, toute donnée, toute communion. Je patientais. Le monde n'était plus que cette petite bête rousse dans l'herbe, son museau levé, son œil brillant qui me fixait, jusqu'au moment où mon corps a commencé à bouger.
imperceptiblement, de peur de rompre, j'y reviens donc, le charme. Et l'écureuil, en effet, bougea, mais au lieu de bondir vers les pins, il sautela, de petits bonds espacés, hésitant, dont chacun me laissait le temps de combler, sans courir la distance. Le premier pin qu'il atteignit était l'un des plus beaux, écailleux, puissamment branchu, tutélaire. Ses petites mains griffèrent l'écorce. Il disparut derrière l'écran, derrière le trône. Je recommençai d'attendre, debout à moins d'un pas de l'arbre, de nouveau immobile et retenant mon souffle. Avant tout, éviter qu'un mouvement trop brusque le chassât vers les hautes branches d'où il ne redescendrait plus. Il était toujours là, à ma hauteur. J'en étais averti par des indices infimes, un grattis d'écorce griffée, un grognement à peine perceptible qui trahissait l'alerte et la curiosité. C'est un penchant de toute sa race. Il finirait par y céder. Il y céda. J'aperçus tout à coup la pointe de son nez, son œil, et je fus aussitôt saisi par le plaisir d'un jeu qui venait de s'esquisser à peine, mais qui allait bientôt, je ne pouvais plus en douter, nous unir. À partir de cet instant, un grand trouble fut en moi, tumultueux, véhément ou l'étonnement, l'humble et tranquille acceptation, l'exaltation, l'incrédulité, tour à tour, alternant, se mêlant, devinrent peu à peu une même joie, capiteuse et légère, quelquefois jusqu'alors pressentie, et désormais leur venue révélée. C'est ainsi que j'ai joué ce jeu, ainsi que j'ai pu effleurer son pelage encore hivernal, rude, froidi par la brise d'avril, poser sur lui ma main, l'y laisser le temps qu'il fallait pour sentir s'apaiser peu à peu, se retirer de lui peu à peu l'étrange frisson panique dont avait frémi toute sa chair pour sentir enfin l'abandon, la confiance de son petit corps si menu, si vivant, sa chaleur sous le manteau roux. J'ai compté cela, tout cela, mais qu'en ai-je dit? Son sommeil, oui, lové en cercle parfait. Mon retour de stupeur au moment des adieux, lorsque j'ai vu qu'il me suivait. Notre long cheminement commun sur la sente escarpée, difficile, non trottant mais bondissant, par légers sauts, basculés, infatigablement recommencés, 1 kilomètre durant, davantage. Notre rencontre d'un bûcheron qui stairait des bois abattus, son visage dur, un peu camu, et la clarté qu'il éclaira lorsqu'il vit l'écureuil me suivant, et le ton de sa voix qui répétait comme un salut, comme un hommage attendri, un écureuil, je l'ai ramené le soir même, après un conseil de famille, résigné à ce seul dénouement. Un peu de sang avait séché sur ses doigts grêles, translucides, écorché par quelques graviers. Nous sommes revenus ensemble vers le grand pin de notre jeu. Je l'avais mis sur mon épaule et le soutenais de la main. J'allongeais, coulais mes pas pour ne pas le secouer trop fort. Si un chaos me faisait trébucher,
Il jetait en avant ses deux petites pattes antérieures, deux bras menus, aussitôt cramponnés, à mon nez, à ma moustache, et je sentais le picotement griffant de ses ongles qui se crispaient. Pas une fois, il n'a essayé de me quitter, de sauter à terre. Il a trouvé lui-même la poche intérieure de ma veste et il s'y est levé en rond, aussitôt endormi. Cela aussi, je l'ai compté. Mais qu'en ai-je dit ? La nuit montée lorsque nous sommes arrivés au grand pin. Je l'ai éveillé doucement et lui ai dit « Nous y voilà ». Il s'est laissé poser sur la rue des Bonnes Écorces, aussitôt reconnu, agrippé, mais il est resté près de moi. J'ai alors accolé l'arbre, appuyé contre lui ma poitrine jusqu'à faire corps avec lui, et aussitôt l'écureuil a bougé. L'écureuil, ou quelque elfe des bois impondérable, matériel à peine, jusque ce qu'il fallait pour que de tout mon être je sente les méandres de ces virevoltes ailées, les liens légers et forts dont il nous unissait, l'arbre et moi. L'air fraîchissait, le front contre mes bras, je percevais pourtant cette lumière des ténèbres que dispensent les nuits étoilées. Par intervalles, un surgeon murmurant montait du fleuve, passait sur nous avec l'odeur d'un églantier proche. Le silence l'accueillait, le rendait à la nuit. Silence aussi du côté de la terre et des bois, le léger froissement d'ailes de quelques palombes endormies. Qu'était devenu l'écureuil ? Je n'avais pas perçu l'instant où il avait gagné les hautes branches, retrouvé les siens et son nid. Je me détachai de l'arbre, repris la sente vers les Vernelles. Mais l'homme que j'étais ce même jour, lorsque je les avais quittés, le reconnaîtrai-je tout entier. Comme Florie, la jeune chanceresse de la forêt perdue, il m'avait été donné de voir, s'entr'ouvrir sous mes yeux un monde vrai, où les symboles et les correspondances sont la seule réalité, où la création est Dieu même, et Dieu sa propre création. Mais qu'en ai-je dit ?